Salut à tous, ici Zuka et on continue le bronze à conquérant sur Age of Empires 4. On le rappelle, désormais on joue avec les civilisations qu'on veut, donc principalement mongol, malien, peut-être un peu chinois si on joue sur des cartes haut. C'est Noël, on a un pull qui clignote, ça va être incroyable, je suis extrêmement chaud. Je suis actuellement en platine 3, oui, le dernier épisode je crois était en diamant 1, mais il y a eu une catastrophe qui s'est passée, et du coup il va falloir remédier à cette catastrophe, et c'est ça qu'on veut. On en est sur Twitch. Rappel, twitch.tv/ZukaTV. Non, twitch.tv/ZukaTV si vous voulez rejoindre pour les prochains épisodes. Ça va être insane. Ça va être insane. Je suis extrêmement chaud. Je suis très chaud. Ce soir. Au moment où je fais les games. On va voir ce que ça donne. Ouais, j'ai vraiment chien loose comme un gros porc. Alors, je me suis aussi fait stream hack. Genre, si je tombe sur lui là. Lui, c'est un gars qui stream hack, donc faut que je surveille vite fait. Voilà. Si je tombe sur lui, il faut que je me méfie. Mais sinon, c'est tout. Donc, il faut savoir que si je me prends des stream hack, des snipes ou des choses comme ça, je quitte les games. Donc, ce qui explique aussi certaines baisses de Hello, quoi. Ouais, t'as fait quoi? La fièvre des fêtes de fin d'année. Mais oui! Eh oui, c'est Noël! On s'habille en Noël. On va jouer contre Chester. Chester qui a masqué son historique. Qui a un taux de victoire à 52%. Oh, qui a l'air plutôt ok. On ne sait pas ce qu'il joue. Il a tous les succès. Il a l'air de beaucoup jouer ottoman. Pas trop chinois. Pas trop. Non. Ah non! Non, non, pardon. Il joue surtout anglais, français et HRE. Oui, bon. Ouais. Oui, ouais. Oui, ok. Voilà, ouais. Après, c'est. Voilà. Il joue les civilisations que tout le monde joue, quoi. On va enlever ça. On va enlever le... Coup que je laisse le repose-poignet. On va laisser le repose-poignet. Ah oui, c'est HRE. Eh oui, HRE. C'est quoi, autour mongol, la carte? Ok. Alors, autour mongol, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rusher la flotte. Je vais rusher la flotte, instant. De toute façon, contre un HRE, en vrai, c'est peut-être le plus intelligent à faire. Ok. Boum. 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 Boum, hop. 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 Ok. Ok. En plus, j'ai la pierre là. C'est bien autour mongol la carte, hein. Ok. Bon, la carte est infâme. Bon, c'est pas grave, on va se mettre comme ça. Donc là, open assez classique. Il va peut-être pas dû mettre là, en vrai. C'est peut-être pas ouf ma position, mais bon. Ça va pas être non plus catastrophique. Donc là c'est un opening, on va pas avoir l'H2 le plus rapide du monde. Par contre l'H3 va être insane. Voilà, sachez-le. Voilà. Ok. Je vais en mettre un alors, en vrai. On va voir ce qu'il vaut. Il m'en faut au moins un alors en fait. Au moins. Ok, il a pas pris les moutons là. C'est pas mal. Il m'en faudrait deux alors en vrai. Là l'idée. Il me faudra un autre robot techniquement, mais bon. Ok. Voilà, un autre robot, en vrai. Parce qu'en fait, là, j'ai toujours pas mon... Ça, c'est la faiblesse de ma strat. C'est que là, j'ai toujours pas de... Ouais. Bah, tu sais quoi, en fait, là, par contre, ça, c'est nul. Ça, je vais mettre là, en fait, carrément. Ça, 100 fois mieux. Ouais, tu sais quoi, on va mettre tout à la... Ouais, non, mais... Il me faudra plus au bois. En fait, là, j'ai juste retardé pour aller construire mon... Ok. Je suis pas sûr qu'il ait pris ça, ok. Lui il va aller faire... Ah il a pris le mouton là. Il a pris le mouton là, il est passé là, ok. Bon bah il a vu mon...
Ok. Bam. Donc là, il faut que je fasse ça absolument. Voilà, et après on reprend la bouffe. Et là maintenant, c'est full bouffe. Donc là, il va sûrement rusher son âge, on va voir. On va voir s'il fait ça. Après, en vrai... Ok, vas-y. De toute façon, en fait, s'il le fait, on s'en bat les couilles. En fait, on s'en bat un peu les couilles. En vrai. Mais il va sûrement le faire. Là, l'idée, c'est vraiment, on fait un boom écho sur deux, sur... Oh putain, déjà ? Lol. Déjà ? Ouais, par contre, ça, je m'attendais pas à ça. Hein. Là, il a... Mais là, il a... Il fait quoi, là ? Ok. Ah ouais, je m'attendais pas à ce... Ouais, ok. Bah là, il a rush, quoi. Est-ce qu'il me rush, en fait ? C'est ça, là, la question. Est-ce qu'il me rush ? Possible, hein. Hop. Alors, s'il me rush. Il peut prendre les moutons. Ok. Alors, s'il me rush. Il peut me rush, hein. S'il me rush, c'est la merde, hein. Autant vous le dire. Après, s'il me rush pas. Je pars du principe qu'il me rush pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne rush pas là, hein. Non, il rush pas. Lol. Ouais, il rush pas. Non, il rush pas. Il rush pas du tout. Donc là, on peut se permettre. Ok. Là, je suis très en retard. En fait, sur le papier, là, je suis en retard, mais en réalité. Attends, je le suis pas. C'est vraiment sur le papier que je suis en retard. Hein. Là par contre faut pas que je peux pas faire mon... Je peux pas vraiment faire de recherche ni rien. Par contre je me suis vraiment mal positionné. Ok. Donc là le but c'est vraiment je passe mon âge et boum je passe quoi. En fait là le but c'est une sorte de double âge quoi, on va dire. Une sorte de double âge, on va dire. En espérant que ça se passe bien. Après, j'aurais pas dû perdre mon canne. Hein. Perdre le canne, c'est une cata. Bah bon, comme ça. Hein. Ok, bam. Ok. J'aurais peut-être dû faire sa recherche plus tôt, j'aurais peut-être dû lancer plus tôt, ouais. Là le problème c'est que j'aimerais bien prendre aussi ma chasse, mais... Je vais essayer de prendre ma chasse. Ok, je vais essayer de voir ce qu'il fait. Mais mec, il me faut prendre une faute de l'or là. Ah, c'est l'or en fait le problème. Ouais. Ouais. Or. Ok. D'ailleurs, je vais faire archer direct. Je vais voir en fait ce qu'il me fait. Bon, après, il a pu me faire double forme en vrai, mais je l'ai pas vu. Bah, je. Pas être beurre grave. Oh putain merde. Oh putain de merde. Ok.
Ok. Ok, j'ai tout ça qui branle en rien. Ok. Ok. Merde, pourquoi j'ai pas d'or? Pourquoi ils récoltent que du bois, eux? Ok. 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 Faut que je prenne les reliques aussi. Ok. Ah, j'ai pas de bouffe en fait. En fait, la bouffe c'est une cata là. Ok, bam. Bam. Ok. Ok. Ok, cool. Ok, bam. Lui va faire hop. Hop. Ok. Bam. Les up. Oh, non, encore. Bon. Ok. Ok. Alors. Il faudrait vraiment que je trouve les reliques. D'ailleurs, des reliques qui traînent, faut que je les trouve. Et là, j'aimerais bien faire cet amélio là. J'ai pas de. Ok, bam bam.
Donc là, on va aller sur... on va voir. Je sais pas trop. En fait, il faudrait vraiment que je trouve les putains de reliques. Je sais pas trop s'il si en a laissé, en vrai. Un peu ce qui m'angoisse, en vrai. Pour être tout à fait honnête. J'ai pas vu s'il en avait laissé, en vrai. J'espère qu'il les a laissés. Je pense pas. Après, bon. C'est comme ça, hein. Après, s'il les a pas laissés, c'est... Ouais. En fait, c'est un peu... Ça sera un peu sous-entendu. Bah ouais, bah c'est dommage, quoi. Ok. Hop, hop. Bon, vas-y, on va prendre le site sacré. Hein. Oh là là. Oh là, j'ai beaucoup d'hommes d'armes. Alors, j'ai un peu stop, j'avais pas dû. Oh putain, il y a des lance-quenets. Ok, bon, vas-y, faut que je fasse ça. Ok. Ah, il en se connaît, c'est terrible. Hein. Sans améliorer là. Vas-y. Non. Ok, bam. Il a pas laissé les autres reliques, évidemment. Ah, merci, il les a laissés. Ok, il les a laissés les reliques. D'accord, il a pas pris les reliques. Marrant ça. Marrant, ouais. Ok. Ok. Il y a beaucoup. Il y a surtout beaucoup de lance-connés, quoi. Alors, attends. Oh putain, il y a de la cave. Ok. Attends, c'est pas la surprise du siècle non plus. Mais j'aurais bien aimé qu'il n'y en ait pas. Pas tout à fait franc. Ah, putain, il est filé à Milou là. Ok. Bon. Ok. Il me faudrait vraiment de la def. Ouais, tu me faut la def 1, la def armure quoi. Non! Ok, est-ce qu'il voit ce que je fais? Il a pas de vision. Hein. Il fait que des putains de lance-connés de merde. Ok. Lance-connés, je suis pas bon pour arrêter ça. Je vous le dis, je sais pas faire. Chaque fois, je me plante quand je le fais. Donc, bah, dommage. Puis là, il va me les découper avec ses. Il me faudrait au moins. Il me faut plus de cave déjà, c'est sûr. Ok. 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 C'était pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'il est? Je pense que je l'allume là. Où ils sont là, ceux que j'ai... Ok. Pourquoi il a pris ça? Ah mais il a pas pris la relique, merde. Ok. Ok. J'ai passé de boutons. Ok. Ah, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup, hein.
Bon, faut buter la cave. Ah merde. J'ai oublié de faire la pierre. Pas de bois. Ok. Merde. Pourquoi il... Ok. Là ça va sur l'or ça. Ah j'ai tous les lieux sacrés. Cool. Pourquoi vous butez pas les moutons? Juste. Enfin. Il y a beaucoup de caves. Hein. Ouais. Beaucoup de caf quand même. Hein. Ok, il y a beaucoup de caf quand même. Hein. Il y a beaucoup de caves, beaucoup de lance-conneries. Pourquoi j'ai tout ça qui prend rien? Ah mais c'est tout mes... Tout ça là. Ok. Ok. Oh lol. Ok. Ok. Ok, ok. Là, c'est bien passé. Ça s'est bien passé. Il était pas très bon. Il m'a laissé tous les sites sacrés. Il a tenté un rush board grave. Sanctionné. TMA fait piquer contre Cave Light, surtout pour des piquages sur moi. Ta DMMA fait pas piquer contre des Cave Light. Le truc, c'est que de toute façon, en fait, il pouvait pas. En fait, il était surtout sur des. Surtout. En fait, j'essaie d'économiser mon or, donc après, bon. Après, ça se discute, hein. Je connais mieux. C'est sur Intel. Ça me rend portable. Ah, vous parlez de vieux trucs, là. La fille a des fêtes d'une fin d'année. Bon, ah, ça s'est bien passé. Après, là, en fait, à partir du moment où j'ai vu qu'il avait beurre grave, je savais que l'essentiel, c'était les hommes d'armes, donc il me fallait des armes. Le truc, c'est qu'en fait, j'avais peur qu'il m'abuse de position. Et t'es jamais à l'abri qu'ils switchent cave lourde. Quand t'es des hommes d'armes, quand ils switchent cave lourde. Après, tu me diras pourquoi ils switcheraient cave lourde alors que. Ouais, c'est vrai qu'en fait, ça aurait pas trop de sens qu'ils switchent cave lourde. Ça serait un peu con, ouais. Mais. Bonjour, je suis un fan de toi sur un service. Ok, tout. Vous êtes des fous. Vous allez bien tous? Bonjour à tous dans le chat. Et n'hésitez pas à sub si vous voulez soutenir ce que je fais, si vous kiffez. Ça soutient. On rappelle les subprimes, ils sont gratuits. Ils sont gentils. Ils sont gratuits et gentils, c'est beau. Mais ça s'est bien passé là, cette game, mais sans être méchant, c'était particulièrement facile. C'est-à-dire qu'en gros, il a tenté un gros all-in. Et le truc, c'est que de toute façon, en fait, j'avais un lead echo qui était trop dingue. Ce qui est assez ouf. Oh putain, j'ai fait un cut. Ah ouais, là, quand j'ai pris mon attaque, j'ai fait un cut. Oh. Après, ça, c'est le nombre de villageois. Mais il n'y a pas le nombre de pêches.
Et la pêche, j'avais genre 10 bateaux. Donc c'est comme si j'avais. En fait, c'est comme si déjà là, j'étais genre, j'étais là, quoi. Tu vois. Enfin, je sais pas, j'exagère, mais là, quoi. Donc là, pour me suivre, c'est un peu hardcore, quoi. On va pas se mentir. Sakazu est bien, ça va. Il est bizarre. Il a bizarrement Rushburg Grave. Bah, c'est vrai que ça a pas trop de sens de Rushburg Grave quand tu. Mais la game est intéressante, en fait. La game est très intéressante parce que c'est une game typique HRE. Mais vu que j'ai ouvert. En fait, j'ai bien fait d'ouvrir avec mes Arba. Ouais, il faut ouvrir Arba. Et si t'as pas le temps d'ouvrir Arba, comme là ça s'est passé, il faut Tempo avec du Mango Dai. C'est vraiment le seul. Il a mal all-in normalement, tu envoies avec Rally Point. Il était en Rally Point au début. Hein. Non mais, alors, ouais, oui et non. Enfin, il a voulu pack un peu, il en a envoyé 4 au début. Voilà, il a attendu un peu pour en envoyer. Après, ça aurait pas changé grand chose. Hein. Oui, mais après, il a stop quand il a vu que ça passait plus, quoi. Et au début, il était en full rally, hein. Et puis quand il a vu que les Arbas sortaient et tout, il a fait, ouais, stop, 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 quoi. Et il a raison. Après, il a tenté d'aller sur les hommes, sur les lance-quenets. Mais les lance-quenets, en fait, lance-quenets, sur la théorie, ça marche. Le délire, c'est que si tu micro un peu, c'est compliqué. C'est même adversaire, même adversaire. Même adversaire, et la map est encore plus favorable aux Mongols. Donc là, bon, je vais pas pouvoir jouer à la pêche, mais on va voir. Après, pas forcément favorable au Mongol, hein. Tu vois, il est déjà tilté. Il est déjà tilté, le ref. Après, quitte la game si t'es tilté, mon ref. Hein. Mais là, ça peut être plus dur. HRE, là c'est vraiment la pêche qui m'a giga boost. Ça empêche, on va voir ce que ça donne. Mongol, Mongol. D'accord. Mongol, Mongol. Bah, après, Mongol, Mongol, j'espère que tu sais les jouer parce que. Voilà. J'ai bien peur qu'ils sachent pas les jouer, et sur cette carte là, Mongol Mongol, je trouve que c'est une idée de merde. Mais écoute, voilà. Voilà pourquoi c'est une idée de merde. Voilà, bah, voilà. Parce que t'as des spawns de ouf, tout simplement. Voilà, t'as des spawns de ouf, et là j'ai un spawn de ouf. Voilà. Du coup, en fait, à moins que tu me rushes, c'est chaud. Voilà. Et je sais très bien qu'il va tenter le rush. Et dans ces cas-là, bah. Lol. Par contre, ça c'est de la merde. Ah! Ok. On va voir, hein. Mais je suis prêt à parier qu'il va me rush. Et s'il le fait, il est dead en fait. Parce que là, en fait, sur ce card-là, tu peux pas me rush. En fait, tu peux clairement pas me rush. C'est limite impossible en fait. Lol. Par contre, mes spawns. Oh. Merci beaucoup du sub. Plus, tu régales. Eh oui, suivez le rythme, suivez plus là. Plus il est bien là, plus il régale. Je vais juste me mettre là en fait. Avec ça, hop, comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ramener mes. Je vais aller voir ce qu'il fait. De toute façon, en fait, je m'en bats les couilles pour l'instant. On va un peu les couilles de ce qu'il fait. On va prendre un peu plus de bouffe. Alors comment il joue, hein. Après, je suis confiant, je suis assez confiant en Mongol contre Mongol. C'est assez rare que je perde Mongol contre Mongol. Je vais rush Age, je pense, simplement. On va voir comment il joue. Il faut que je trouve son Ouvu surtout en fait. Il faut que je vois comment il branle son Ouvu. Et c'est tout. Et selon l'Ouvu, on va poser une tour ou pas. Je vais peut-être se récupérer un peu plus de bois. Voilà, en cas où. Alors. On va voir. Hein. Donc là, si. Ouais, en vrai, t'as pas de bonne position à te mettre en fait. Ça. En fait, ce qui est terrible sur ce card, c'est que t'as pas de bonne position. Donc, je vois pas trop ce qu'il va pouvoir faire en vrai. Mais bon, écoute. J'en m'étonne plus alors, en vrai. Il est où? Il est là. Ok. Voilà, l'Ouvu est là. Mais. Ah si, il récolte quand même de la pêche. Ok. Ah, je peux pas aller voir ce qu'il fait. Bon, de toute façon, ah, il récolte quand même pas mal de bois. Hein. Il récolte quand même pas mal de bois, le ref. Hein.
clés, tu peines, hein? James. Ok. Alors. Écurie. Pourquoi écurie? Tu vois, c'est pareil ça. Pourquoi tu me fais écurie? T'espères quoi? En fait, t'espères quoi? Là, c'est littéralement, bah ok, écurie, ok, c'est génial, t'espères quoi? Voilà, bah ok, c'est cool. Moi, je vais jouer def et là, tu me feras jamais rien en fait. Là, tu ne peux rien me faire en fait. Parce qu'en fait, cette map est faite de telle sorte que de toute façon, il n'y a rien de même qui peut se passer en fait. Donc là, c'est un rush qui fera jamais rien. Et c'est presque dommage en fait. Par contre, où j'ai un peu deck, c'est que j'ai mal géré mon or. Donc je vais ramener mon mouton. Je vais essayer de prendre mon lac suivant en fait après derrière. Hein. Vu que tu vois jamais rien me faire là. Je le sais très bien en fait que tu pourras rien me faire. Donc je vais prendre ce lac là derrière. Et là, je rush juste l'âge. Hein. Après. Passe pas son âge. Peut-être qu'il double forme. Hein. C'est prendre, mais bon. L'arbre d'argent. Ok. Ok, l'arbre d'argent. Marrant. Marrant ça, l'arbre d'argent. Ouais, il faut que je trouve le... Il est où le... Il est où le marché? Putain, il est pas là le marché. Il est où le marché? Ok. Le problème c'est que là, il y a moyen qu'il me fasse mal en vrai. Il est où le marché, merde. Ok.
Donc là, je vais juste rusher mon âge, hein. Vous l'aurez compris. Yes. Enfin, attends. Ouais. Ok. Il me faut vraiment du bois. Ok, il me faut vraiment du bois. Faut que tu putain de bois. Il me faut du bois. Il faut du bois. J'ai pas de bois. Ok. Ok. Il fallait du bois. Ok. Il vient d'atteindre son âge des châteaux. Il est pas mal, hein, en vrai. Hein. En vrai, le gars, il est pas mal. Hein. J'ai des hommes d'armes. Ok. Ok. Oh là là. Bien vu. Oh.
Ok. C'est de l'achever, mais sans grande conviction. Mais là, il y a un univers où je l'atomise sur place, quoi, en fait. En fait, là, il y a un univers où je le casse en deux. Si en gros timing de ouf. Et c'est ce que je vais tenter. Je vais le tenter, mais... Il y a vraiment un niveau où je le casse, où je le fracasse en deux, en fait. Mais bon, il faut arriver à le sortir, cet univers. Hein. Ok. Ou alors, switch marchand, là, instant. Ou alors, switch marché, genre là. Je l'ai jamais fait. Bam. Là, je fais 3 marchés. C'est aussi possible, hein. Genre là, je fais un giga switch marchand. Je lui fais un peu peur. Vas-y, je vais tenter ça. Ah ouais, giga switch marchand, je l'ai jamais fait, tu sais. Vraiment, on le tente, hein. Je suis pas convaincu à 100%, mais... Et qui sait. Ok, il est là mon marché. Ok, j'ai plus de bois en fait, hein. Je me rends compte que... Le problème c'est le bois là. Hein. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée. Hein. C'est vraiment la première fois que je fais ça de ma vie. Ok. Il faudrait que je passe aussi mon... Ça là. Hop. Ok. Non, je vais pas faire ça. Plutôt faire anti-défense. Ouais, je sais pas ce que ça a donné. On va bien, hein. C'est vraiment la première fois de ma vie que je fais ça. Je pense que derrière il faudrait que je rush château. Mais Oh putain, attends, j'ai le relique aussi. Il y a le relique aussi que j'ai oublié. Bam. Pourquoi j'ai pas de... Pourquoi ils font des retours de 4... Ah putain. Ok, il n'y a pas une amélioration à celle-là. Ouais. Wow. Ok. Boum. Boum. Ok. J'ai vraiment jamais joué comme ça de ma vie. Hein. Et j'ai juste envie de jouer de switch qu'avant, ouais. J'ai vraiment jamais joué de ma vie comme ça. Je sais vraiment pas ce que ça donne. Faudrait que j'ai un homme d'armes. Non, attends. D'abord, on va faire ça. Lol. Ah putain. Bah oui. Bah oui. Ah, les raccourcis. Oh là là. Oh putain de merde. Oh, j'ai passé. J'ai passé. C'est quoi? Homme d'armes, archer, mango d'ail, lancier. Ok, lol. Bah, c'est quoi? De toute façon, on lâche l'affaire. Là, on va récolter plus que ça. Ok. Après, là, le risque, ouais, c'est ça, c'est que. Il vient de me casser les couilles. Mais il va pas faire ça. Je suis pas sûr qu'il ait vu ce que je faisais en vrai. Alors attends. Lui là il va me récolter quoi? Il va me faire ça. Et le ramener là. Et lui il va me faire ça. Et il va le ramener là. Voilà. Ok. Je vais faire de la cave légère. Je vais faire de la cave légère. Pas mal ça, de la cave légère. Hop. Attaque, voilà. Faire de la cave légère. C'est bien la cave légère. J'aime bien ça, la cave légère. Okay.
J'ai vraiment pas de bouffe, hein. J'ai récolté énormément de bois, j'ai pas de bouffe. Oh là là. Ok. Ok. Alors il me faut vraiment la bouffe quoi. Bon. Il va vraiment, lui prend vraiment. Ok. Ok. Bam. Ok. Oh là là. Oh putain. Ah mais c'est de la cave lourde. C'est de la cave lourde. Attends, attends, attends. C'est de la cave lourde là depuis tout à l'heure. J'ai pas compris moi ça. Attends, j'avais pas compris que c'était de la cave lourde qui me faisait. Depuis tout à l'heure. Ouais, il me faut vraiment de la. Alors j'ai pas. J'ai. Attends, ça on va le bouger parce que là ça me casse les couilles depuis tout à l'heure. Ok. Ok, bam. Bam. Défense. Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup quand même. Qui va passer par de côté. Faut vraiment pas que. Qu'il me voit. En fait, j'aimerais bien qu'il voit pas ça. Mais ça va être compliqué qu'il le voit pas. Mango d'ail. Le problème c'est ça, c'est que les archers là, c'est hyper chiant. Ok. Alors. Hop. Ok. Ah putain, il a vu. Ok. J'ai pas fait l'amélioration du. Oh merde! Ah oh, putain, l'oubli. Oh l'oubli. Oh la cata. Ok, bam, hop. Les amis, plus la merde. Ok. Les améliore plus. En tout cas de son côté. Là, avec des. Je vous le dis, là. Il va peut-être pas falloir me sauter trop dessus non plus, quand même. Ok. Ok. Lol. Je pense que je l'arrache en deux. Mais bon. On va voir. Hein. Mais je pense que je vais l'arracher en deux.
pense que je vais l'arracher en deux. Et voilà. J'espère pour lui qu'il est pas en train de passer son âge. Hein. Vraiment mon gars, j'espère pour toi que tu le fais pas ça. Dommage. Eh ouais, t'as pas assez mon gars. Eh ouais, t'as pas assez. Donc là, en plus c'est une bonne game aussi pour jouer contre Mongol. Hein. Le truc c'est que je pense qu'il a pas du tout vu que j'avais switch marchand. Je pense que switch marchand était une bonne idée. Et je pense que je l'ai dépassé en écho en fait, grâce à ça. Le truc c'est que là, le switch qu'il m'a fait était intéressant, mais... Il a pas utilisé les marchands. Il a pas fait... Attends, non, non, non. Attends, mais c'est bien l'arbre blanc qu'il a fait comme bâtiment d'âge. Ah si. Oh, il avait rien. Ah oui, il l'a décalé là. Oui, il avait 4 marchands, ouais, d'accord, ok. L'arbre d'argent, pardon. Ouais, bon, bah je l'ai allumé. Hein. Et ouais, mais le problème, c'est que là, en fait, étonnamment, en villageois, j'en ai perdu, mais je me suis retrouvé égal à lui, parce que son open n'a pas été opti. Et le truc, c'est que je pense qu'économiquement, je l'ai dépassé, parce que du coup, je pense l'avoir. Pourquoi il est énervé? Pourquoi il est vénère? Je sais pas, il est tendu. Il est vénère. Arrêtez, il est vénère. Arrête. Nice, you got diamond. Hey, for you. Ouais, t'es ultra tendu, mon ref. Ah, tu vois, je l'ai dépassé à toutes les ressources. Je lui réponds. Ah, attends.
Je lui réponds juste, hein. My timing was lucky. Bah ouais, j'ai un timing de ouf et j'étais hyper chanceux sur la fight. J'étais pas chanceux. En fait, tu devrais tenter Arbre d'Argent. J'aime vraiment pas. En fait, le truc, c'est que si tu veux faire ce genre d'open, vaut mieux pas jouer Mongol. Parce qu'en fait, le problème, c'est les tours, quoi. T'as pas de tours. T'as pas de mur en Mongol, donc c'est chiant. Ah, il est cool. Bah, il est cool, mais il était vénère, tu vois. Il était vénère, donc après. Plus on pour toi. Cette voix suave. Ses cheveux, sa barbe, sa bouche. C'est tout son sourire. Quoi? Ah là là. T'es beau, Zuka, je sais. Tant de l'autre côté, ça suffit, effectivement. Ok, je vois deux pions qui ramènent au forum sur ça. Ouais, c'était parce que je suis allé tour. J'aurais dû déplacer mon forum, mais j'ai tout le temps la flemme de le faire. En vrai, tu sais quoi, c'est la flemme, c'est la giga flemme. Pourquoi j'ai pas déplacé mon forum? C'est la flemme. J'ai vraiment la flemme, et j'ai pas d'excuse, hein. C'est la flemme. C'est la flemme. Ouais, mais il est plutôt cool, mais tu sais jamais contre qui tu joues, et la plupart sont pas cool comme ça. Moi, je suis toujours cool, hein. Tu m'insultes pas et tout, je suis cool, en vrai. Hein. Après, où je peux être tendu, c'est si je tombe sur un conquérant, mais c'est pas sa faute, c'est la faute du jeu, quoi. Il t'a peut-être GG de passer en diamant. Non, je pense pas. Non, c'est genre... Là, à mon avis, tu vois, il a même dit au début de la game, il fait « Ah, ok, avec trois petits points et tout », tu sais, il était un peu énervé. Je pense que ça lui cassait les couilles de me jouer. Je pense que c'est lui casser les couilles de me jouer. Mais je peux me tromper. J'espère. Si tu fais pas de trou de prod en bougeant ton TC... Bah, tu fais forcément un trou de prod en bougeant ton TC. Hein. T'es obligé, hein. À un moment, t'es obligé. Mais il est rentable, le trou de prod. Après, là, cette map est assez compliquée à jouer en mongol, parce que la position que tu peux avoir au début, est toujours, ça pue toujours la merde. Voilà, là, t'as toujours une position de merde, et ben, ça loupe pas, j'ai une position de merde. Voilà, hop. Après, c'est pas la pire que j'ai eue, hein. Mais cette map-là... Oh, putain, et puis, on pourrait parler du mouton qui follow pas, mais bon, ça, écoute... Pourquoi il est dégueulasse comme ça, mon forum? Je sais pas, bon, on s'en bat les couilles. J'ai un peu de chat. En fait, en réalité, j'ai un peu de chat sur le start parce que mon or est pas si dégueulasse en vrai. Des fois, c'est vraiment immonde. Des fois, cette carte, c'est vraiment hideux. Hein. Ça peut être vraiment sale. Hein. Donc là, ça va en vrai. Voilà, mais bon, c'est pas non plus merveilleux. Hein. Après, l'avantage là, c'est que j'ai pas besoin de faire un aller-retour. Je suis bien positionné, j'ai pas besoin de faire un aller-retour. Parce que j'ai eu pas mal de moutons d'entrée. Donc ça c'est cool. Voilà, bouffe. Allez, go, full bouffe. On va faire full bouffe, on monte à 8 en bouffe. Ensuite on go. Mouton. Ensuite on go. Go bois. Sur un français, c'est toujours délicat de savoir comment ouvrir en vrai. J'ai pas mal de chance, mon start est plutôt ok en vrai. Voilà. Je pense qu'il est en plus, il est allé de l'autre côté, donc ça c'est vraiment de la chatte. Alors après, c'est de la chatte à pour qui? Je pense que s'il était allé de mon côté, ça aurait été de la chatte pour moi, ouais. Vas-y, je vais passer au milieu. Ok, il te rush pas. On sait jamais, hein, tu sais, des fois. Tu sais, des fois, la mauvaise surprise arrive, hein. Oh, j'ai de la chatte, j'ai de la grosse socha là. Il est pas passé au milieu non plus. Et là, j'ai pas mal de moutons sur le milieu, c'est pas mal. Là, c'est très stylé. On va dire. Là, il faudrait quand même que je trouve ma deuxième gold. Putain, ma deuxième gold, pourquoi elle va être où? Oh, elle va être infâme, ma deuxième gold. Oh non, elle va être dégueulasse. Oh, la deuxième gold va être horrible. Ça, c'est sûr et certain, par contre. Ah ouais, ouais. Et puis, quand en français, le problème, c'est la pression. Hein. Merci, Exam du Nord pour... Merci, Exam du Nord pour le sub. J'ai aussi des CR là, ça, c'est pas mal. Ça peut être utile. En vrai, j'aime bien des fois les prendre. Mais quand en français, ça peut être compliqué. Donc, je me méfie. C'est plutôt ok en vrai, en un mouton. Mais là, la deuxième gold, elle est où, mon gars, quoi? Parce que si elle est en haut, là, c'est chiant, par contre. Hein. La deuxième gold, elle va être infâme à défendre. Hein. C'est sûr et certain, ça. Oh, ça casse-couille, ça. Ah, ça, là, on a un spawn de merde à ce niveau-là. Parce que, regarde, lui, sa deuxième gold, genre, limite, il peut prendre celle-là, tu vois. Elle est à peu près sécure. Moi, j'ai vraiment pas de bonne deuxième gold, quoi.
Ça c'est chiant quoi. Ça j'aime pas vraiment. J'aime pas vraiment là et puis là c'est le cas quoi, c'est horrible. Donc ça, ça va être vraiment mon désavantage et ça peut vraiment jouer sur... Ah mais mec, regarde la gueule quoi, où elle est. Mais par contre... Pitié quoi. Ok. Ok, bam bam. Il a pas pris les moutons? Qu'est-ce qu'il a branlé? Pourquoi il y a tous les moutons là? Qu'est-ce qu'il a branlé avec les moutons? Ok, je sais pas ce qu'il a branlé. C'est pas du tout ce qu'il a branlé avec les moutons. Bon, l'avantage c'est que quand tu joues contre un anglais, un français, bah, tu sais que tu peux ouvrir direct. Je sais pas ce qu'il a branlé avec ses moutons. Vas-y, je vais essayer de prendre cela là, tu sais, en vrai, aussi bien. Je sais pas ce qu'il a fait. Mais c'est agréable. Ah bah quand ça se passe dans ce sens-là, c'est agréable. Hein. Beaucoup plus agréable. Hein. Franchement, hein. Ça va mieux. Hein. Hop. C'est fou. Qu'est-ce qu'il a branlé avec ses moutons? Il a fait quoi? Gros, c'est trop là. Je ramène plein de moutons. Ah, par contre, son âge rapide. Ah là, ça va être chiant au niveau de la gold. Parce que là... Après, pas forcément, parce que je vais avoir mes... Je dois avoir assez d'unités en vrai pour défendre. Les unités vont arriver à temps, normalement. Faudrait peut-être que j'accélère ça. Attends. Ok. Ouais. Ok. Ok. Faudrait que je scoute, on va voir ce qu'il fait. Et là, je vais devoir mettre une tour. Je vais essayer de mettre une tour là, ouais. Bah après, il y a la gold là, hein, elle est prenable, hein, mais autant c'est pas tout de suite la gold. Ok, stylé. Bam. Je vais essayer de voir ce qu'il fait. On va rester par là. Oh, on l'a vu, hein. Je vais voir si j'ai besoin d'un bat. Bon, de toute façon, je m'y attends, mais bon. Mais il me fait peut-être un double forme. Hein. Gros, s'il me fait un double forme, je hurle. Ah, double forme, pas du tout. Quand tu tires à l'arc, d'accord, ok. Quand tu tires à l'arc. Ok. Il y a. Ok. Bon, après là. Ça va. Bon, ouais, la situation est sous contrôle. Hein. Ça va être chiant d'expandre, mais. Ok. 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 Oh, ça va être un peu chiant d'expandre, mais. On va voir. Ça doit être ok, en vrai. Bah, là, j'aimerais bien en fait faire un putain de. Putain de tour là, ça serait vraiment stylé quoi. Là la tour ça serait trop bien quoi. Mais bon, est-ce que je vais y arriver? Et là ça va être un peu complexe, c'est une game un peu compliquée en vrai. Parce que le spawn en fait. Le spawn n'est pas du tout mon avantage. Mais je suis à peu près confiant en vrai. Je vais mettre 4 alors. 4 alors ça sera bien. Je vais plutôt appuyer sur les archers pour l'instant. Voilà. On va mettre un de plus au bois peut-être. Voilà. Ok. Là en fait l'avantage c'est que je peux éventuellement prendre mes serres. Éventuellement. Je sais pas si je vais le faire mais éventuellement je peux le faire. Ok. Ça c'est cool. Après ça on le met là. Boum. Une fois du bois. Je sais pas trop ce que je vais faire comme armée. Il faut que je scoute. Il faut que je sache. Je vais faire un peu des unités de toute façon. J'ai malheureusement pas bien le choix. On va voir ce qu'il fait. Ça il me faut. Ok, il y a deux vieux archers de merde. En vrai là. En vrai là, je le contre et je push. Bah tu sais quoi, en vrai je le push. En vrai je vais l'engage. En vrai je vais l'engage. Hein. Voilà. En vrai là j'engage. Hein. Voilà, j'engage là.
Voilà, j'engage. Là, je... Oh ouais, je peux y aller, là. Lol, non, merde, j'ai fait de la merde. Ok. Qu'est-ce que c'était une mauvaise idée? C'était une mauvaise idée. Ok. C'était une mauvaise idée. Ah putain de merde. C'était une mauvaise idée. J'ai mon engage était nul. Mauvaise idée. Mais bon, écoute, ça c'est arrive. Hein. Ça c'est la. Le hasard du... On va dire... J'allais dire le hasard du calendrier, ça n'a rien à voir avec le hasard du calendrier. Ok. Ok. De la cave en vrai. Enfin, c'est un peu un switch cave en vrai, mais c'est un peu l'aventure le switch cave hein. Oh là là. Oh là. Ok lol. Eh merde. Merde. Ok, il me faut que de la... Oh, il faut que ça en fait là maintenant. Ok, c'est un peu la merde hein. Merde. Eh oui. Ok, ok. Ah putain. Ah là 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 là. J'aurais peut-être... J'ai peut-être un peu sous-estimé le ref.
Ok. Peut-être un peu sous-estimé. Voilà. Bon là par contre, là c'est lui qui se surestime là par contre. Là c'est lui qui prend la conf là par contre. Ah quoi que. Ah j'ai un peu sur Oh quoi. Ok. On fout le bouffe maintenant. Ok. Ok. J'ai plus de pierre, peut-être déjà. Plus de pierre déjà. Ok. 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 Bah. J'ai vu qu'il voulait me passer par le côté. Ok, vas-y. Ok. Ok, boum. Oh putain, il a beaucoup quand même. Vas-y, il faut que je continue. Il s'arrête pas en fait. En fait, il s'arrête pas. Il veut pas s'arrêter. Il va pas s'arrêter. Ça va être chiant. Il va pas s'arrêter. Ok, bam. Ok, il a décidé de toute façon qu'il allait pas s'arrêter. Donc, bah écoute, ça, ça va être chiant. C'est juste chiant ça. Mais bon, c'est pas compliqué, c'est juste chiant. Mais bon, de toute façon, à partir du moment où je vais passer mon âge, ça va être clos là. Ouais, il va juste me casser. Il veut juste me casser les couilles. Ce qui fait très bien, mais à bout d'un moment, je pense que ça va un peu perdre en puissance. Si c'est pas déjà le cas. Ok, bam. Je pense que c'est. Voilà. Là, boum, 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 boum. Ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Hop, hop. On fait toutes les up. Là, je lâche tout en fait. Après, là, je vais switcher homme d'arme un peu. Je sais pas si c'est une bonne idée, homme d'arme, mais je pense que c'est pas mal. Avec un petit peu de... Je vais essayer de contrôler ça. Ça, ça serait bien si j'arrive à le contrôler. Mais je sais pas vraiment si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. Non, en fait, ça c'est une mauvaise idée par contre. Elle m'en se pète un peu trop. Hop, tac, tac. Boum. Site sacré, bam.
Ok. Ok, vas-y, on va prendre le site sacré, on va essayer. Si j'arrive, c'est insane. Si j'arrive, c'est insane. Hein. Si elle va contre le site sacré, c'est genre giga win. Hein. Et je vais pas avoir assez d'or là. Ok, bam. Donc là, on va prendre ça d'abord. Hop. Il va falloir migrer sur la gold suivante après. Hein. Putain, ça va falloir y penser ça. Hein. La gold suivante, va falloir y aller. Hein. Hop, je fais un peu des archers par deux. Ok. Je vais faire, faire ça. Il va falloir que je fasse aussi des tours par ici au cas où. Hop. Donc là, on est pas mal. En vrai, là, on est bien. On est pas mal du tout. Je vais faire un autre moins derrière. Si j'ai l'or. Hop. Je suis giga bien. J'aimerais bien double forme derrière. Mais. On va essayer double forme. Ah putain, la bouffe, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est que le problème de la bouffe. Ah ouais, mais ils ont nerfé. Ah oui, putain, c'est qu'ils ont nerfé les Mongols à ce niveau-là. Eh oui. Attends, par contre, voilà, je vais pas envie de montrer que je fais ça. Là, par contre, je vais le montrer. À partir de là, vas-y. Là, je la prends en passant. Boum, 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 bam. Voilà, là, je la prends en passant. Ok. Là, il faudrait que je passe mon double forum. Ça serait stylé. Ok. Est-ce que je prends une autre ligue derrière? Je vais tenter de prendre celle-là en vrai. Si j'y arrive. Si j'y arrive, c'est giga stylé. Si j'arrive à prendre celle-là, c'est trop fort. En fait, là, si j'arrive à prendre celle-là, j'ai toutes les reliques quoi. Ah oui, c'est qu'il n'y a qu'un site secret sur cette carte. Eh oui, eh oui, c'est qu'il n'y a qu'un site secret sur cette carte. Eh oui, mon ref. Eh oui, mon ref. J'avais oublié ça. C'est un détail très intéressant, ma foi. Donc, je vais double forme derrière. Vas-y, boum. On prend les reliques. On se met bien. Économiquement, là, on va dire que c'est ok quoi. Là, l'histoire, ça serait de voir un peu ce qui se passe. Donc, on va mettre des tours. Et je vais. Hop, je vais faire mes ups. Je fais des ups de. Moi, je fais un peu des ups. J'ai pas trop envie, mais en vrai, c'est le meilleur plan à faire. C'est quoi? Ouais, on va tenter un truc. On va prendre la gold là, direct. On va essayer de la prendre. Ça, ça peut être insane si elle passe. Ok, bam. Ok. Vas-y, hop. On va prendre celle-là. Hop, la relique là. On la ramène là. Est-ce qu'il y en a encore une que j'ai pas vue? Il doit rien avoir, mais. Ok. Vas-y. Il a double forum. Après, je pense qu'il a double forum, lui. Je pense qu'il a double forum, mais. Je peux me planter, mais à mon avis. Je pense pas trop me planter là-dessus. Mais bon, on va voir. Ok. Elles sont où là? Ok, nickel. Bah, nickel. Bah, il me les laisse. C'est sympa. Il est sympa. Il est gentil. Il est très gentil. Il faudrait que je fasse mon amélioration des camps de tir à l'arc. Ok, il me laisse toutes les reliques, il est cool. Ils le font pas tous, ça, donc c'est sympa. Là, je suis très bien en reliques. Bam, bam. Ok, lol. Ok. Ok. Vas-y. Compliqué hein. Ok. Ouais. Ok. Ah, il fait chier avec ses... En fait, ses hommes d'armes, ça fait trop chier. Je vous le dis, c'est... Les hommes d'armes, c'est chiant. Ok, vas-y. Ah bah, les hommes d'armes, c'est chiant. En fait, c'est chiant pour rien. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est chiant pour rien. C'est chiant pour que dalle. Là. Puis bon, là, en fait...
Va falloir que je fasse des archers. Par contre, j'ai pris toutes les reliques, en vrai. Là, ce que j'aimerais faire, c'est un petit... vas-y, juste ça, là, pour voir les choses arriver. Faire en sorte que les unités sortent plus vite, en vrai. Là, je vais faire l'amélioration de l'écurie. Hop. Il me faut vraiment de la bouffe. La bouffe, c'est un peu compliqué. J'ai un tir à l'arc, bam. Alors là, par contre, mon gars, ta prochaine attaque, elle a intérêt d'être couronnée de succès. Hein. Oh là. Elle le sera pas. Alors, je te le dis, elle ne le sera pas. Il est trop frontal, en fait. En fait, il est trop frontal. Le ref, il est trop frontal. Après, c'est bien, hein. Ok. Bah dommage hein. Il fait que des archers? Y a pas de réflexion, d'accord. Y a vraiment zéro réflexion à part on fait des archers. Ok, bah vas-y. Allez, tire. Allez, hop, ça dégage. Voilà, dégage. Ouais, non, mais là... Pourquoi j'ai 16 mecs qui branlent rien? Ils sont où? Ah putain, c'était mon or. Plus d'or du coup. Vas-y, full câble légère. Bam. Ouais. Oh lol. Oh lol. Ok, lol. Mais il fait que des archers. En fait, il fait que des. Ah putain, je comprends pas. Je comprends pas. Je suis désolé, ça me tend, mais je comprends pas ce qu'il branle. Hop. Hop, hop, hop. Ok. Mais en fait, il a rien. Il a rien, mais il se bat. Mais il se bat avec rien en fait. Je sais pas avec quoi il se bat. J'allais pas comprendre comment il est encore là. Mais par contre, je crois que j'ai pas mes archers sont pas améliorés. Bon, ok. J'avoue que j'ai peut-être oublié d'améliorer mes archers. Bon, de toute façon, on va gagner à coup du lieu sacré en vrai. De toute façon, on va gagner au lieu sacré là. Je pense que ce serait c'est plus. Ok. Ta 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 ta. Bam bam. Bam bam. On améliore tout ça. De toute façon, voilà, au bout d'un moment, c'est les lieux sacrés qui vont finir la game. Donc, il est là le problème quoi pour lui. Au bout d'un moment. Au bout d'un moment, c'est ce qui va se passer quoi. Et ça, c'est terrible. Mais là, du coup, j'ai juste à camper quoi. J'ai juste à l'attendre. Hein. Je sais très bien qu'il ne tiendra pas. Je sais très bien qu'il ne peut pas passer en fait là. C'est terrible, mais je sais très bien qu'il ne passera pas. Donc ben voilà. Voilà. Trois minutes avant la victoire sacrée. Il vient de voir le message ou quoi là quand même? Donc là bah moi je me blinde hein. Moi je me blinde hein, j'attends hein. En fait, étant donné qu'il a même pas de distance, qu'il a... Pff, bref. J'ai rien besoin de faire, j'ai juste à attendre 3 minutes et puis bah tu peux pas gagner quoi. Pour moi tu peux pas gagner. Je peux me tromper hein, mais je vois pas comment. Hein. Je fais que des améliorations de mes tours. Je vois pas comment tu peux gagner. Hein. 3 minutes là, ça va être... va falloir se bouger le fion quand même. Hein. Mais là, pour passer ça, c'est le mur de Berlin, l'histoire. Hein. Oh là là. Ah, c'est vraiment le mur de Berlin, l'histoire. Hein. Bah, je suis full pop. Bam bam. 3 minutes, il a vu le temps ou pas? Attends, pour défendre un lieu secret. Petit trébuchet, non? Ça va, Shadon? Oh putain, mec. Bah, je vois pas l'intérêt, là, le trêve. Là, y a pas besoin de trêve, hein. Je vais gagner sans trêve, hein, là. Bah là, y a rien, hein. Là, y a rien à faire, hein. Y a juste à attendre, hein. Dans deux minutes j'ai gagné. Quand il va le découvrir, il va faire ah. Vas-y viens.
Il a pas d'archer, il fait rien. Il a rien comme ça. Ok, lol. Bah gros, hein. Bon bah c'est... Les carottes sont cuites, hein. C'est diamant, ça. C'est fou. Mais en fait, vous voyez, il joue que all-in, il joue que pression. Puis là, bah voilà. Hein. Technique du sandwich, hein. Ah bah il y a un château, mais moi je m'en bats les couilles de ton château. Oh bah ok, t'as fait un château. Vas-y, j'ai le temps, hein. J'ai tout le temps, moi. Ah moi j'ai tout le temps, hein. Je vais même passer mon âge, tiens. Je vais juste le troll. Ça c'est le troll en plus. Ça c'est juste pour souligner à quel point je suis devant. Vas-y, vas-y. Mon or, s'il te plaît. Ok, bam. Ça c'est juste pour te montrer à quel point je suis devant, quoi. Ça c'est le troll en plus, ça. Ouais, bien, je reprends en haut après un break de 1 an. Ouais, j'ai vu, ouais, t'étais moins là, mais t'as fait un peu de SC2. C'est bien. C'est bien que t'aies fait un. C'est bien que t'aies fait un peu de SC2, mais je crois. Ouais, bah après, c'est bien de reprendre. Hein. Toi, bah moi, ça roule, moi, j'ai jamais stop. J'ai des petits ralentissements de temps en temps. Souvent, c'était, j'étais un peu moins dedans, mais. Mais du coup, qu'est-ce qu'il a branlé? Mais il a juste all-in, en fait. Il a juste all-in, d'accord. Il a juste all-in. Dommage, hein. J'ai pas stop SC2. Ouais, t'as pas stoppé SC2, oui, t'as fait un peu de SC2. Ouais, j'ai vu. Beloki. Alors, j'espère que ça snipait pas. J'espère que ça snipait pas. Ça serait énorme que ça soit le gars qui me snipait la dernière fois. Non, c'est pas possible. Je veux pas y croire. Je veux pas y croire que ça soit celui qui stream la dernière fois. Je refuse d'y croire. Je pense pas que ce soit ça. Bon, on va vérifier. On va vérifier ça. Ah, je me suis fait stream la dernière fois, donc... Zuka, bam bam. je pense pas. Non, c'est pas lui. Rien à voir. Beloki, je sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Mais c'est un main français. Ah, c'est main français. Main français. C'est pas un peu. C'est quoi, c'est-à-dire, c'est pas un peu. Salut Sachavir. Incroyable ce pseudo. Attention, tu as des grosses pellicules sur ton pull. Je regarde, j'ai même plus que des pellicules, regarde. Alors, il clignote, c'est le pull que j'ai mis au taf aujourd'hui. J'ai croisé mon N plus 2. Il m'a fait. Comment il m'a dit ça? Il m'a dit ah, bonjour Renaud. Il me dit c'est. voilà, on a compris que. Il voulait pas dire plus. Non, tu dis que je fais un peu de SC2. J'ai bien tryhard cette année. Ah, t'as bien tryhard. J'aurais pu SC2. Je suis très frustré. Et puis le dernier patch me confirme que voilà. Après, toi, je sais pas. Toi, t'es peut-être dans une optique où tu essayes un peu de gagner des thunes avec. Donc, du coup, c'est un peu différent de moi, quoi. Je pense. Alors que moi, bah, je m'en bats un peu plus les reins, on va dire, entre guillemets. Il est bien pourtant. Ouais, mais je suis... en fait, c'est la commu où je suis frustré. En fait, toi, tu t'en rends pas forcément compte. Parce que les déchets de la commu sont vers les 5K de MMR, les plus gros, les chiants. Toi, tu subis pas ça parce que tu poutres les gars, quoi qu'il en soit. Et moi, non. J'ai un niveau moins bon. Je le reconnais, hein, je suis 100 fois moins bon que toi. C'est rigolo parce que j'ai sûrement fait plus de games que toi. Quoique, wow, j'ai peut-être fait plus de games que toi. Mais je suis pas. Je joue pas assez. J'ai pas de mental. Tu penses pas avoir fait. Oh! De SC2? Tu joues depuis le début de SC2? Le tout début? Day one? Parce que j'en ai fait, hein. Mais après, j'en sais rien, je m'en rends pas compte, hein. Quoique tu joues peut-être. J'en ai fait plus, je pense. Ah ouais? C'est possible, hein. Après, c'est possible, hein. Ah ouais, maybe, j'en sais rien. Après, voilà, après j'ai fait beaucoup de games. En fait, moi, j'ai jamais joué en termes de progression et tout. C'était navrant, quoi, ce que je faisais. Mais voilà, après, je suis pas tryhard. Je suis plus jeune, je suis plus vieux, je suis lent. Mais bon, ça n'empêche pas de se faire plaisir sur les jeux, quoi. Après, je l'ai toujours dit, hein, moi, aujourd'hui, je suis pas... Et même depuis que je stream, depuis le tout début que je stream, j'ai aucun objectif de compétition. Je veux avoir un niveau propre, mais pas... Je serai jamais compétitif. T'as les roquettes qui sont bien vieux et lent. Mais sinon, ça va, je trouve. T'as les roquettes qui sont bien trash sur le jeu. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils sont vraiment MMR. Et gros, là, tu t'en rends pas compte, mais quand je jouais, quand je streamais, c'était une game sur deux, eux. Parce que ils viennent à 10 le faire. Eux, Sweetzy et tout ça, quoi. Tu serais bien marré, la chef Lan. On m'a raconté cette histoire. Oh là 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 là. Oh là là. Ils se sont déplacés, ils se sont fait têche du tournoi.
J'en peux plus de me dire qu'ils sont venus. J'arrive pas à y croire. Et là, je suis déçu de pas y être allé. Hein. Ils ont eu peur de Big Monster. La gentillesse incarnée. Il a l'air gentil tout le temps, Big Monster. Il peut pas être méchant. On m'a raconté, ouais. Nocti m'a raconté. Incroyable. Mais non, toi, c'est pareil. Toi, t'es la bienveillance incarnée. C'est terrible. La plupart des gros joueurs de français sont la bienveillance incarnée. Tu prends Garitos, tu prends Rome. Ah, gros joueur français. Tu prends Denver, Garitos. Encore que Denver troll un peu, mais gentil, tu vois. Clem, t'as des débiles mentaux. Et malheureusement, concentré chez les Terran. C'est terrible. Comme si il y avait un. Je sais pas. Une génétique. Comment raconter ça, c'est incroyable. En tout cas, ce soir, c'est plutôt ok, hein, les games. Très agréable. Hein. 3 wins et surtout 3 games sur lesquels je peux faire une vidéo. Parce que du coup, je voulais. En fait, je fais les vidéos sieve par sieve, comment les affronter et tout. Par contre, non, cette carte, non. Pourquoi j'ai cette carte de merde? Ah, je me suis mis en partie rapide. Oh, je suis vraiment trop con. Attendez, hop. Ah, j'étais en partie. Ah, j'ai cru que je m'étais pris un ban. Tout est lié. Mais en vrai, là, c'est chill. Putain. Mais en fait, là, depuis dimanche, là, où on a fait le live Hello Neighbor, c'est giga chill. Oh, le Hello Neighbor, il m'a détendu d'une puissance, quoi. Puis là, c'est chill. Demain, je suis en télétravail. Aïe, 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 trop bien. Je vais faire mes petits docs et tout. J'ai de la doc à faire. Je sais pas, je dois avoir 20 pages de doc à écrire. Oh, ça va être bien. Je vais être au coin du feu, là. Ah, ça va être bon, ça. Oh là là. J'étais stressé. Oh, vraie histoire, hein. J'ai droit au Et pourtant, il t'a stressé, le jeu. Oh non, pas lui. C'est une blague? Il me dit quelque chose, lui. Ah, il y a un compte qui s'appelle AI Easy aussi, en conquérant. C'est quoi ton boulot? Je suis ingénieur qualité. Je suis responsable qualité en informatique. Et demain, j'écris de la documentation sur l'automatisation des tests. Je dois écrire tout comment fonctionne dans la boîte l'automatisation de tests. Tout comment ça s'installe, tout comment ça se configure et tout. Et moi, alors, on pourrait dire c'est chiant à crever. J'adore écrire de la doc. Je vous jure, j'aime bien. Enfin, j'adore. Calmons-nous. Et ça me détend. En fait, ça me détend d'écrire de la doc. Ça me... Quand sur Road de la colline, tu vas pas t'interagir avec Mongol parce que cette map, je wall tout le temps et les châteaux pour protéger. Bon, bah les couilles. Ok, 4, beau boulot. Ouais, 4. Oui, alors... Pour moi, 4, c'est pas un boulot, mais... oui, je suis 4, quoi. Ah. En fait, je joue vraiment très peu en fonction des cartes, en réalité. Un peu, mais... Et pas trop, en vrai. Je sais pas si c'est beau, cadre comme boulot. Ça fait rêver en vrai, mais... en fait, ça va être très prétentieux ce que je veux dire, mais en fait, j'ai toujours été cadre. Nous, en fait, c'est la norme d'être cadre, d'être ingénieur cadre. C'est vraiment la norme, en fait. Donc, au final, tu vois, je trouve ça basique, quoi. C'est bizarre de dire ça, hein. Je sais, hein, mais... Je joue Mongol en face, hein, on est d'accord. C'est vraiment, pour moi, pas une surprise, quoi. Enfin, c'est rien, quoi. Voilà, c'est tout. J'ai rarement mal scout, par contre. Ça fait très prétentieux. Je m'en rends compte en le disant que ça fait très très prétentieux de dire ça. Mais c'est réel, en fait. En vrai, c'est vraiment réel, quoi. C'est que nous, vu qu'on l'est tous... pour moi, c'est la norme, en fait, d'être cadre, mais c'est pas le cas de tout le monde. Du coup, c'est que je suis un peu libre sur mes horaires, sur pas mal de choses. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ouais, pour toi, mais pour beaucoup, 4 veut dire grosse paye. Eh ben, je pourrais te décevoir parce que je vais pas dire que je suis mal payé parce que on dépasse les 2K5, hein, mais je vais pas dire que je suis bien payé non plus, quoi. Je sais pas, c'est pas l'émerveillement, en vrai. Hein. C'est pas autant que ce que tu pourrais imaginer, quoi, on va dire. Faut bien s'en rendre compte, quoi.
J'ai pas de mouton. On peut en parler de cette situation ou pas? Il y a eu un truc bizarre, j'ai l'impression que son score est passé devant moi. Il y a eu un giga bug. J'ai l'impression que son score est passé devant moi comme si en fait il venait de poser un bâtiment. Genre, tu vois, un truc pour faire des unités par exemple. Pas du tout. Mais tu vois. Ce 4 c'est à... Enfin pour moi c'est pas rattaché à Crosspay mais bon. Ok. Ouais. Pas ouf les moutons. Je suis désolé, je parle et je joue en même temps. Je cherche pas que la paix et CAD n'est pas forcément liée. Je pense qu'ils sont tous à droite. Par élimination, ils doivent tous être à droite. Il est con de m'avoir dit ça parce que du coup bah moi je vais tout de suite fouiller là hein. Parce que par élimination ils sont là hein. C'est logique hein. Il est con de me l'avoir dit hein. Je sais pas quel bâtiment tech je vais faire. De toute façon, archer déjà c'est sûr. Archer c'est obligatoire, mais. Alors si je fais cave. Ouais j'aurais dû faire cave en vrai. Ok. Archer, cave. Oh putain, arbre d'argent, lol. Oh putain, le boom à arbre d'argent. Oh non. J'aurais dû... Thank you.
Parfait. Ok. Le marché qui est juste à côté de chez lui, hein. La dinguerie. Ok. Faut que je passe mon âge. Ta cave, cave, cave. Ok, lol. J'ai pas le mon marché là. J'ai... Putain, pourquoi j'ai... Ah putain de merde. Ok. Que la cave. Ok, je suis vraiment dans la merde en nourriture. En fait, je suis un peu dans la merde là, en vrai. Parce que là, mon open. Ok. Ouais, faut que j'arrive à. Y'a pas de bois. Mm-hmm.
Ouais, la game est un peu bizarre. Ok, la game est un peu bizarre, ouais. Mais à la limite. Ok. Il me faut vraiment de la bouffe. Il me faut vraiment du bois et de la bouffe. Vous êtes épuisé. Bon, ça, ok, c'est attendu. Alors. Ok, bam, on va mettre ça là. Il me faut de la bouffe. Hein. Ok, il me faut de la bouffe. Il me faut du bois aussi, il me faut du bois, putain, du bois. Il me faut du putain de bois. Et là, la pierre peut-être aussi. Ok, vas-y, la bouffe. Il vient de passer son âge. Alors. Ok, bam bam. Bam bam, bam bam. Hop. Ok. Compliqué, hein. Ok. Ok. Bam, on va augmenter la bouffe là. La bouffe, l'or aussi. Bam. Alors, hop. Hop. Il me faut plus de d'unité. J'ai rien en fait. Là je me rends compte que en fait je fais rien depuis tout à l'heure. Lol. Alors attends. On va faire ça. Et ça. Ok, bam. Ça. Et ça. Hop. Oh, putain. Ok, bam bam. J'ai vraiment énormément de ressources, mais pas les bonnes. Pas celles qui m'intéressent. Ok, derrière on va faire ça. On va faire aussi. Ah putain, il me faut la cave. Pardon, de. Voilà. Oh mec, oh mec, oh mec, y'a trop, y'a trop, y'a trop, y'a trop, y'a trop, y'a trop, y'a trop. Oh mec, y'a trop. Ah putain, je l'ai sous-estimé. Ah putain, je l'ai sous-estimé. Pas de bois. Ah putain, il est sous-estimé. Les mangodai là.
Il est sous-estimé. GG. En fait, je l'ai sous-estimé. Je l'ai trop sous-estimé, j'ai pas fait d'unit. J'ai sous-estimé. Le truc, c'est que je joue tellement jamais ce playstyle que je le maîtrise pas. Ah là là. Il y a dive fight, mais en fait, je pouvais jamais contre-attaquer. Putain. Bah, après, je trouve ça chiant à crever. Mais ça marche hein, comme playstyle. Et c'est vrai que du coup... Et du coup, comment tu comptes ça en vrai? À moi d'ouvrir pareil. Mais je suppose que tous les pros font ça. Moi, je regarde pas les matchs de pro, donc... c'est pas un playstyle qui me plaît, je trouve ça chiant, mais bon. Et tiens, ça marche, hein. Ouais, effectivement, ça marche. On peut voir comment tu joues malien. Bah, étant donné que les maliens sont pas up et même ont été nerf, non. Je veux dire, malien et mongol étaient les pires cibles, ils ont nerf les deux. Donc là, malien pue trop la merde. Hein. C'est vraiment pas jouable. Hein. Je veux dire, il y avait un truc qui était viable, c'était de jouer les... Mais là, en ce moment, c'est la mode, c'est les marchands. Ce playstyle de merde. Mais là, c'est broken en Farimba. Ouais, mais... Ouais... Ouais... Ça dépend contre quoi. En fait, le problème, c'est que malien, tu tombes contre anglais, tu fais « Ah, j'ai perdu ». Voilà, en fait, c'est ça. C'est que tu tombes contre anglais, tu fais « Ah, j'ai perdu ». Ah, bah, c'est bien. Sinon, tu as l'air d'aimer malien et mongol, mais c'est pas un peu les pires civils patch. Question bête, je connais pas trop les méta. J'aime ces civils depuis le début du jeu. Malien, je l'ai aimé quand ils l'ont annoncé. Et mongol, c'est massif depuis le début. Donc je l'aime quoi qu'il en soit. J'aime les mechas. Donc voilà. Je vois beaucoup de joueurs maliens en ce moment avec les marchands. Ouais, c'est ça maintenant. Bah du coup, c'est pareil que mongol. Ça joue comme ça. Mais marchand, c'est ultra dur à défendre. Bah en fait, en malien, étant donné que leur premier bâtiment, c'est une tour. Enfin, celui qu'ils peuvent faire. Bah en fait, ça rentabilise à mort. En fait, tu le mets au niveau de ton or. Et genre, du coup, ton or est inattaquable. C'est imputable. Derrière, tu go Farimba, tu fais un boom marchand et t'as gagné. La game d'avant, je me demande en fait si j'étais bien. Parce que, en fait, j'ai l'impression que du coup, le problème c'est que si t'as fait louche, est-ce que ça serait pas plus... Est-ce que ça vaut pas le coup? C'est peut-être faux ce que je dis. Mais si je vois un mec qui fait un open comme ça, est-ce que ça vaut pas le coup que moi je fasse marcher dès que je passe mon âge et je fais un boom comme lui? J'en sais rien. Peut-être je suis redescendu dans... Attends, mais comment j'ai pu redescendre dans... Je sais pas. Ah, anglais. Voilà. Anglais. Oh, lui, c'est un anglais. Hein. Anglais. Je vais me le faire obliter par un cheveu qui a rush château 730. C'est pas mis des hommes d'armes. Moi, Abbasside, une idée contre ça. En Abbasside, bah, je pense que si t'as pas les. Avec chameau, c'est chaud. Hein. Je fais deux postes par mois alors que j'ai juste un profil LinkedIn claqué. Ouais, mais moi, les offres, j'en reçois une par jour. Hein. Vraiment, j'en reçois une par jour. Hein. Bon, anglais. Anglais. Pff, je joue mon playstyle. Après, il faut peut-être que j'apprenne les playstyles marchands. Mais si on se met à jouer que marchand, déjà que les doubles formes ça me cassait des couilles. Maintenant, si c'est full marchand, ouais, pourquoi pas. Hein. Après, marchand est peut-être plus dynamique que double forme. Je sais, en fait, je me rends pas compte si marchand c'est vraiment plus fort que. Je sais pas. Hop, c'était quoi la map? J'ai pas vu. J'ai même pas vu ce que c'était la carte. Ouais. Allez. Oh là là. C'est un roi de la colline ça, non? Ça ressemble à un roi de la queen, non? C'est un roi de la queen, j'ai pas le pire spot. Roi de la queen, 100%. Oh putain, tous les moutons. Oh, tous les cerfs ici là! Oh là là, la dinguerie! Les cerfs que j'aurai jamais là! Ah, c'est ouf ça! Trop bien! Oh, c'est roi de la queen ça, 100%. J'étais pas sûr, mais là. J'ai pas regardé ouais, le start. Des fois je regarde pas le start et ça me joue des tours. Ah, il est passé par le haut.
Il y a beaucoup de moutons. Il y a eu quelques moutons, mais pas tant que ça, en vrai. Il passe par le haut, j'ai l'impression. Ok. Je sais pas si... Je sais pas qu'il y en a eu plus, j'ai l'impression que c'est vraiment similaire. Ok, l'or. 3 alors ? 3 alors ? Ouais, il me giga rush l'âge, là. Notre ami, là. Ouais, il passe par l'eau. Ok. Il me giga rush l'âge, là. Je sais pas ce qu'il fait, ou alors c'est homme d'arme ? Ah, homme d'arme, c'est chiant. Oh, homme d'arme quand t'es mongol. J'espère pas que c'est ça. Après, s'il fait ça... Mais non, mais attends, ça lui ralentit son âge, ça. C'est fou, ça, de faire ça. On va voir. On va voir ce qu'il fait. Par contre, mon vous, il a l'autre bout de la carte. L'enfer, quoi. Après, je peux. En vrai, en plus, le problème, c'est qu'en mongol, tu peux pas vraiment pressure avec ton. Enfin, contre en anglais, tu peux pas parce que le simple fait que leur unité attaque là. Trop chiant. De toute façon, l'avantage, c'est que contre un anglais, je sais que j'ouvre cave. Faut voir le bon côté des choses, hein. Tu sais que quoi qu'il en soit, t'ouvres cave. C'est vraiment, pour le coup, c'est peut-être le seul bon côté d'anglais, quoi. C'est que tu sais exactement ce que tu fais. Quoi qu'il en soit. Alors moi, j'aime bien faire ça. Oh, le supply, pitié, non. Allez, on va leur mettre 5 là. Bon, j'essaie de voir un peu ce qu'il fait. Après, mes serres sont bien mis en fait. En vrai, mes serres sont super bien mis. Mais bon, en fait, avec les archers longs, c'est pas pratique quoi. Ok, une maison là. 3. Il y en a 3 dessus. La cut, est-ce qu'il prend sa pierre? Sa pierre est là, hein. Prends pas sa pierre, hein. Prends pas sa pierre. C'est con parce que là, il va pas voir le bâtiment que je mets. Bon, vas-y. Hop! On va remettre un peu la bouffe. Ok. Bon, l'idée c'est de voir si vous faites aussi un. Bah là, à mon avis, là, le cut, il est plutôt évident, hein, mais bon. Le cut, c'est vraiment. Gros, il est en train de me rush, quoi, mais bon. On peut. Le bénéfice du doute existe, hein, mais bon. Il y a le bénéfice du doute, hein, mais. Là. Il n'existe pas trop, je pense, mais bon. Écurie ? Attends, écurie ? J'ai bien vu écurie ! Bah gros, je fais que de la cave ? Bah ouais, mon gars, je vais faire que de la cave. Bah, je fais full cave et j'ai gagné. Avec le def à distance. Bah ouais, là, mon gars... Je comprends pas, hein. Là, j'ai vu une écurie, hein. Là, ce qui se passe est une énigme, hein, je vous le dis. Autant vous dire, là, c'est énigmatique as fuck. Hein. Je comprends pas le délire. Hein. Ça me plaît beaucoup, mais je comprends pas. Allez, go, hein. On va tenter un engage. Hein. Tu sais, si je le chope en mille map, là, je le chope en mille map, je l'encule. Hein. Je comprends pas.
ça me dépasse un peu. Je suis pas très grand donc ouais. J'aurais pas perdu mon... Je sais pas trop ce qui branle. Ok lol. LOL 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 LOL. C'est quoi ça? Pourquoi il a tout ça? Putain les anglais quoi. LOL. Attends il m'encule. Oh pitié, il m'a déboîté le fion. Il m'a déboîté le fiac hein. Ok, vas-y. Oh, mec, il m'a déboîté le fiac, là. Ah, mais mec, la tour et tout, enfin, c'est trop. En fait, c'est ça. Le problème, c'est, putain, les tours anglaises, quoi. Oh là là. Tour anglaise, là. Bah, vas-y, hein. Il m'a déboîté le fiac. Il m'a déboîté le fiac. C'est comme ça, hein. Ah, mais là, il y avait trop, hein. Le problème, c'est que là, il switch comme il veut, et moi, je peux pas le voir. Je peux pas m'approcher, en fait, là. C'est chiant. Oh, lol. Il me rush l'âge en fait, c'est tout. Ouais, bah bon. Lol. Lol, mais alors là par contre, non. Bah non en fait. Ok cool. Ok. C'est chaud hein. C'est un peu chaud, mais c'est passé.
Ok, bam. Mais putain, ta mère. LOL! Oh, corrigez vos bugs de pisse, pitié! Oh là là! Quel enfer! Oh là là! Hop, merci, ça c'est cadeau. Ça c'est cadeau. Ça c'est vraiment cadeau. Oh là là, corrigez vos bugs, par pitié. Ok, bam. Pas de bois. On boit plus la merde. Faut que je fasse attention s'il switch pas. Hein. Ok. Là, il y a plusieurs choses à faire déjà. Déjà, il y a le bâtiment religieux. Seulement. Ramenez du bois, bordel! Ah, je m'étends un peu trop, rien. Bâtiment religieux, ça c'est sûr. Il me faudrait peut-être un... Elle est où ma... Ah oh, putain, faut que je refasse mon... Bon, vas-y. C'est autant que je refasse maintenant. Hein. Ok, boum. Ça, 100%. Oh lol, j'ai pas prévu mon switch bouffe, là. Lol. Ne me demandez pas pourquoi je perds cette fight, j'en sais rien. J'en sais rien pourquoi je perds cette fight. Voilà. Voilà, voilà. J'ai pas assez de bouffe. J'ai vraiment plus assez de bouffe du tout. Donc là. Voilà. Ah bah là, j'ai plus du tout assez de bouffe et là, c'est la merde. Voilà, voilà. Putain, loup, ma pierre! Ok, vas-y. Ah bah là, c'est juste ça. Hein. Je me fais sur rien. Me demandez pas pourquoi j'ai plus de bouffe, j'en sais rien. Ok, vas-y. Hop. Hop. Ok. Ah oh, putain, c'est chiant. Putain, fantassin arc. C'est putain, ça coûte tout est infâme, tout est infâme, tout est infâme, je vous le dis. C'est malheureux, mais absolument tout est infâme. Allez. Ok. Le problème, c'est que là, c'est absolument tout qui est infâme. La situation est horrible. Et là, il va avancer juste avec des putains de tours de merde. Bam. Ok, bam. Bam, ça c'est bien. Ok, stylé. Ok. Ok. Faut que je prépare ma transibois. Ok, bam. Ma forge, là. Ok, elles sont mes reliques. Elles sont mes reliques, là, je les vois pas. Alors là.
Ok, stylé. Il me faut ça absolument. Ok, il me faut ça absolument. La relique, bordel! Cache des châteaux. Bon, ça c'était attendu en même temps. Vas-y, elle est où là? Elles sont les reliques là? Je les vois pas les reliques. Je cherche les putains de reliques. Et ça là. Vas-y. Putain, les reliques, elles sont chiantes à trouver, hein. Voilà, hop. 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 J'ai énormément de bois. Et là, il faut absolument que je... Ah, c'est... Alors, j'ai beau avoir du bois, il faut absolument que je double forme, en fait. Ok. Il faudrait peut-être des hommes d'armes, je sais pas. Oh, des pichiens, ouais. J'ai pas de bois, j'ai pas de bouffe. Ok, j'ai plus de bouffe. Ok, génial. Alors ça par contre c'est bien. Je vais vraiment faire un peu des piquants, ouais, je pense. J'ai pas de bouffe en fait. Ah ouais, la pomme c'est la bouffe là. J'ai pas de bouffe et je veux du bois aussi. Ok. Alors, il faudrait vraiment que j'arrive à voir ce qu'il fait. Essayer de passer par là. Ok, site sacré. Boum boum. Boum, on améliore ça. Il me faudrait mon double putain de forum. Que des archers? Archer, lancier. Il a rien? Ça, il a rien? Lol, il a rien? Lol. Crève. Bah, il a rien. Ok, stylé. Il a rien. Il a rien comme ça. Il fait pas de. Ok. Il a rien. Et derrière, je vais faire un trèbe. Un mango, pardon. Je vais en chier. Ok. Ok, ok, ok. Alors. Gagne, hein. Mais là, je suis pas mal, je pense. Faut vraiment de la bouffe. Il faut vraiment de la bouffe. Le problème, c'est vraiment clairement ma bouffe. En fait. Ouais.
Je suis pas convaincu du move, hein, mais bon. Ouais, tu m'as buté des... Ouais, tu m'en as buté, mais bon. Il m'en a buté, ouais. Ah, lol. Ok, c'est chiant. J'ai pas de bouffe, hein. J'ai pas de bouffe, hein, mais... Ah, putain. Ah, mais attends, en plus, il emmène là, ouais. C'est que des archers, hein. C'est que des archers. Ah, les herbes, un peu. Ah, il y a un peu des arbas au milieu, hein. Y'a pas d'or, j'ai pas d'or. Ah attends, par contre j'ai full bois, Y'a pas beaucoup d'arbas en vrai, hein. Les arbas on va les... Je vais les casser en... Normalement les arbas je les casse en deux là. Vas-y, vol ici après, vol. Ok. C'est chiant, hein. On pourra en parler du fait que ça tombe pas, mais bon. Le problème c'est que là, avec ces amis duo là, ça va être un cauchemar à attaquer ça. Oh lol, quoi? De là? Mais lol! De là matin. Ok. Ok, j'arrive pas à passer de toute façon là, donc Oh putain de merde.
Lol, je vais me planter. Oh putain de merde, je vais la lose. Mais mec, tu meurs jamais! Lol. Ça meurt jamais, ça ne tombe jamais, voilà. Putain. J'arrive pas, je comprends pas. Lol. Je n'arrive pas, je comprends pas. Je comprends pas d'où sort l'écho. Mais je comprends qu'elle sort pas de, chez moi. Hein. S'il y a bien un truc que je comprends, c'est qu'elle sort pas de chez moi. Hein. Ok. J'ai vraiment pas de bouffe. La bouffe sort pas. Y'a aucun putain de mouton qui vient. Je pige pas ce qui se passe. Les moutons ne viennent pas. Ça, je vais le bouger parce que ça devient pénible as fuck. Putain. Ah, mais j'ai tous mes moutons là. Ah, mais c'est pour ça? Eh bah ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai pas de moutons. Ouais, ils viennent là. Vas-y. Il a la jeu impale, non, ça va. Oh putain mec. Ah oh, putain, y a full cave, y a full cave. Oh putain, full cave légère, arba, putain. Faut que je go full cave légère quoi. Faut que je bouffe le cave légère. Amélioration de défense, corps à corps. Oh putain. Ah mais y'a plus de... Ah mais je peux pas. Très mauvais plan là ce que je fais. Ah putain, merde. Ah putain. Ok lol. Oh
Il a plus d'or, il a plus d'or, il a plus avoir d'or, il a plus avoir d'or. C'est ce que je voulais. Il a plus d'or, il a plus avoir d'or. Là il a rien normalement. On va finir par passer. Tant mieux que mal, mais je vais finir par passer. Ok. Ok go. Peut-être aller là quand même. Putain, son château de merde là, impassable! Putain! Wouh! J'ai plus d'or! Mais si, ouais, mais. Putain! Faut qu'il y ait. Mais des caves dans l'écho! Dans une écho anglaise! Dans une écho anglaise qui est en full défense! Comment tu fais? Je veux bien, mais il y a des murailles partout. En fait, il s'est emmuré aussi. Il s'est emmuré. Putain, son château de merde, là, qui tombait jamais. Regarde, regarde ça. Je veux bien envoyer de la cave, hein, mais le problème, c'est que... En fait, t'envoies de la cave, il t'engage. Regarde ça, gros, aussi. Mais lui, il avait plus d'or, par contre. Lui, il avait plus d'or. Wouah!